klaxonnant pour aider en s'amusant. Les véhicules d'assistance. Le pick-up rouge est à l'entrepôt. Le chariot élévateur à fourche charge des boîtes de différentes couleurs dans sa remorque. Il faut les emmener au magasin. C'est parti! Voici le garage des voitures de course. Oh là là! Quelle vitesse! Les petites voitures font vraiment la course. Elle dépasse le pick-up. La voiture jaune veut que le pick-up vienne jouer. Merci, petite voiture, mais le pick-up a un travail important à faire. C'est un circuit de course avec un vrai looping. C'est donc là que les petites voitures se précipitaient. Pick-up, veux-tu faire un essai? Juste un essai. Tu crois qu'il va réussir à faire le tour? Les voitures prennent de la vitesse. La voiture jaune n'a eu aucun problème à faire le tour du looping. Le pick-up est... Oh! Toutes les boîtes sont tombées. Il y a des fruits partout. Une boîte est tombée juste au-dessus d'une petite voiture. Que faire? Les véhicules d'assistance arrivent à la rescousse. La voiture de police et le chariot élévateur. Ils doivent fermer la route. Mettons des cônes autour des fruits et légumes éparpillés. Petite voiture, pouvez-vous nous aider à remettre tout ce qui est tombé dans les boîtes? Les pommes rouges vont dans la boîte rouge. Les citrons jaunes vont dans la boîte jaune. Les concombres verts vont dans la boîte verte. C'est pratique! Il ne reste qu'une seule pomme. Non, voiture verte, pas là! La pomme rouge va dans la boîte rouge. C'est fini! Nous avons trié tous les fruits et légumes. Mais qui va charger les boîtes sur le pick-up? Le chariot élévateur, bien sûr! Merci les véhicules d'assistance! Vous savez, vous avez vraiment accompli un bon travail en aidant le pick-up. Maintenant, il est temps pour tout le monde de rentrer à la maison. La route est dégagée. Il ne reste plus qu'à enlever les cônes. Le pick-up a apporté les fruits et légumes au magasin. Les véhicules d'assistance sont de retour à leur garage. Nous les reverrons bientôt lors d'une prochaine mission importante. En klaxonnant, appelons les plus forts. Des machines, des phares, des pneus, une cabine. Elles t'entendent, arrivent en klaxonnant pour aider en s'amusant. Les véhicules d'assistance. C'est la ferme où vivent les vaches. Chaque jour, elles nous donnent du lait frais. Le camion est venu chercher le lait. Le couvercle a été ouvert et le lait est transvasé dans la grande citerne. Il est temps pour lui de partir. Le camion à lait
respecte le code de la route. Il s'arrête au feu rouge et repart quand les feux passent au vert. Mais le camion jaune essaie continuellement de le doubler. Il est très imprudent et il est pressé d'arriver. Ah ! Le camion est sorti de la route et a endommagé la citerne. Le lait se déverse sur la route. Cela fait une flaque. Le camion à lait doit se rendre tout de suite à l'atelier de réparation. Vas-y, camion à lait. Regarde, le cabriolet a déjà été réparé. Oh, il dérape sur la route sale. La voiture a glissé et est sortie de la route. Le chaton a même senti le lait. Il lèche le lait sur la roue. Et il boit le lait directement sur la route. Ce n'est pas normal. Nous avons besoin d'aide. La dépanneuse, la balayeuse et la voiture de police sortent du garage des véhicules d'assistance. Elles se rendent à l'endroit où l'accident a eu lieu. La voiture de police pose des cônes de signalisation devant le tronçon de route dangereux. La balayeuse commence à nettoyer la route. Dans l'atelier de réparation, une plaque métallique a été posée sur la citerne du camion à lait. Il n'y aura plus de fuite de lait. La pelleteuse prend un pinceau. Elle le trempe dans de la peinture blanche. Le camion à lait est comme neuf maintenant. Personne ne pourrait deviner que l'autre camion l'avait abîmé. Et voilà le camion. Il a conduit si imprudemment qu'il a fini par avoir un accident. Et maintenant, la dépanneuse l'emmène à l'atelier de réparation. Sais-tu où est passé le camion à lait? Bien sûr! Il est reparti chercher du lait à la ferme. Le lait est en train d'être transvasé dans la citerne. Et on ferme le couvercle. Il n'y a plus de fuite maintenant. Bravo les véhicules d'assistance. Vous pouvez vous reposer maintenant. En klaxonnant, appelons les plus forts. Des machines, des phares, des pneus, une cabine. Elles t'entendent, arrivent en klaxonnant pour aider en s'amusant. Les véhicules d'assistance. Les petites voitures sautent sur les trampolines. Elles se préparent pour le concours de saut en longueur. La voiture jaune peut sauter, elle aussi. Regarde les balles qui volent dans tous les sens.
Les véhicules d'assistance quittent le garage. Ils préparent l'espace pour la compétition d'aujourd'hui. Le transporteur de voitures va amener les voitures à la compétition. Le camion grue, la voiture de police et le camion ben vont construire l'arène pour le saut en longueur. Vite, montez! Il manque quelqu'un. La voiture jaune a eu une idée. Elle a remplacé ses roues normales par des roues plus grandes. Ce n'est pas juste. L'arène de la compétition va se trouver ici. Le train a apporté un podium et des rampes. Le camion grue prend les rampes et les pose sur le sol pour que les voitures puissent courir et sauter dessus. Voici le podium. La voiture qui sautera le plus loin aura la première place. La première place est tout en haut. La deuxième place est un peu plus bas. Et la marche la plus basse est pour la troisième place. Le camion ben a apporté des balles de couleur pour remplir la piscine. Les voitures vont sauter dedans. Et voici les concurrents de la compétition. Les voitures jaunes, rouges et vertes. La voiture de police a sorti des drapeaux. Elles peuvent commencer. La voiture verte est la première. C'était loin. Elle a sauté jusqu'ici. Mettons un drapeau ici pour ne pas oublier. La voiture jaune n'a pas sauté aussi loin que la voiture verte. Elle n'aurait pas dû tricher et mettre de grosses et lourdes roues. C'est au tour de la voiture rouge de sauter. C'était loin. Elle a sauté par-dessus toute la piscine à balles. Bien joué. La voiture rouge a pris la première place sur le podium. Maintenant, tout le monde va recevoir des médailles, des étoiles. La voiture rouge reçoit une étoile d'or. La voiture verte reçoit une étoile d'argent. Et la voiture jaune reçoit une étoile de bronze. Félicitations! Merci d'avoir participé à cette compétition. Les véhicules d'assistance retournent dans leur garage pour se reposer. Demain, ils auront encore du travail à faire. En klaxonnant, appelons les plus forts.
Les véhicules d'assistance. Le petit chien ne sait pas à quoi jouer. Au ballon? Ce serait ennuyeux de jouer au ballon tout seul. Une seconde. C'est un peu trop tôt pour aller au lit. Réfléchissons à comment te remonter le moral. Regarde, la pelleteuse avec un grappin. Le camion grue. Le camion benne. Et un de plus. Deux camions benne. Les véhicules d'assistance vont construire un terrain de jeu pour le petit chien. Il pourra s'amuser sur le terrain de jeu. Petit chien, réveille-toi! Les véhicules d'assistance commencent leur travail. Le camion grue est en train de décharger le camion benne. Il dépose les pièces du tunnel sur le sol avec beaucoup de précaution. Le deuxième camion benne décharge sa benne tout seul. Un pneu. Oh! Un arc bleu. Fixons le pneu dessus. C'est un trampoline. Mettons-le quelque part. Juste là. Une rampe. Tu dois sauter par-dessus la haie. Et une balançoire à bascule. Il manque l'entrée du tunnel. Et voilà. Le petit chien demande à ses amis de jouer. Arrête-toi, petite voiture. Allons à la nouvelle aire de jeu. C'est vraiment une grande aire de jeu. Par où commencer? Le petit chien a sauté par-dessus la barrière. La petite voiture a choisi le trampoline. Oh! Elle n'a pas pu passer à travers. Maintenant, elle est coincée. Il va falloir la sortir de là. Merci, pelleteuse. Le chaton a grimpé sur la balançoire. L'aire de jeu du petit chien est formidable. Les véhicules d'assistance, comme d'habitude, ont bien fait le travail. Il est temps pour eux de se reposer dans leur garage. Les véhicules d'assistance.